Bonsoir mes louloutes, donc nous sommes toujours le samedi 10 octobre 2020, il est exactement 22h14, donc je vais pas parler trop fort, de toute façon mes haut-parleurs sont là, il y a énormément de son dessus, il n'y a pas de problème. Donc on va faire une vidéo crochet tunisien et on va continuer à travailler sur ce châle là. Alors je vais me reculer pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait. Il me reste que ça sur ma première pelote et j'ai pu tricoter tout ça. Et la pelote était déjà entamée hein, parce que j'avais fait autre chose avec. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, comme je vous disais, on commence de la droite. Et on continue jusque sur la gauche. Et quand on est sur le retour, ici, quand je vais être arrivé à la fin, on va repartir de la gauche, sans tourner le travail. Hein. On va rester comme ça avec notre travail. Et on va repartir de la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Voilà. Donc là, je finis mon rang qui part de la droite vers la gauche. Alors, on pique le crochet dans la première maille, on va chercher le fil et on tire. C'est comme si on montait des mailles. On va dans la deuxième maille, on va chercher le fil et on tire. On va dans la troisième maille, on va chercher le fil et on tire. Et on va dans la quatrième, on prend le fil et on tire. Dans la dernière, on va chercher le fil, on pique dans la maille, pardon, on va chercher le fil, on tire. On pique dans la maille suivante, on prend le fil, on tire, ça fait 2. On va dans la troisième, on prend le fil, on tire. On va... j'en ai sauté une, pardon. On va dans la première, on prend le fil, on tire. 1, 2, 3. La quatrième, on prend le fil, on pique, on prend le fil, on tire. Et dans la cinquième, vous prenez les deux brins, par contre. Vous prenez le brin devant et vous prenez le deuxième brin qui se trouve derrière. Voilà. Vous attrapez le fil, vous tirez. Et ici, vous faites 6 mailles en l'air. Alors, vous faites une boucle, enfin une maille, alors. Et vous faites 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Vous prenez le fil, vous le passez dans la première boucle et dans les 4 qui suivent derrière. Hop, vous tirez dans la première et dans les 4 suivantes. 4 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. On prend dans la première maille et dans les quatre qui suivent. Quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. J'arrive à la fin de ma laine. On prend le fil, on tire dans la première et les quatre boucles qui suivent. Et on continue comme ça jusqu'à l'autre bout. Hop. Une, deux, trois, quatre. On prend, on tire dans la première et les quatre boucles suivantes. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Alors, je vais tirer ma laine, hop. On prend le fil. On prend dans la première boucle et on passe dans les 4 qui suivent derrière. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On prend le fil, on va dans la première et les 4 dernières boucles. 1, 2, 3, 4. On va dans, on passe le fil dans la première et les quatre boucles qui se trouvent derrière.
Alors là, j'ai pris un fil qu'il fallait pas. Voilà. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On prend dans le premier fil et on passe le fil, pardon, dans la première maille et les 4 mailles qui suivent derrière. Et on continue comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alors, je tiens à vous préciser que ce n'est pas une de mes créations à moi. C'est une création qui vient de lydiacrochettricot.com. Moi, je ne savais pas faire les châles avant. Alors, on passe dans la première et les quatre suivantes. 1, 2, 3, 4. Je ne savais pas tricoter au crochet tunisien non plus, hein. 1, 2, 3, 4. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air. On prend le fil, on va dans la première et les quatre suivantes. Et on continue. Une, deux, trois, quatre. Dans la première et les quatre suivantes. 1, 2, 3, 4. Dans la première et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Dans la première et les 4 dernières suivantes. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe le fil dans la première et les 4 mailles qui suivent. 1, 2, 3, 4, dans la première et les 4 suivantes. 1, 2, 3, on passe dans la première et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Dans la première et les 4 suivantes. Quand ça veut bien passer. Et on continue. 3, 4. Il avance pas bien vite celui-là parce que c'est de la laine fine et je le tricote pas souvent. Je travaille pas beaucoup dessus. Tu m'embêtes de mettre des poils partout, toi. Regarde ça, mon bureau. Grogne, une gros chaton. Hein? C'est gros chaton, hein? Toujours avec sa maîtresse, lui. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Voilà, on arrive à la fin de la laine. Une, deux, trois, quatre. Là, je n'ai pas tricoté 200 mètres de laine, hein, ça c'est clair. Parce que j'en avais utilisé
pour faire la petite brassière pour ma petite fille. Tu prends toute la place, bébé. Hein? Tu prends toute la place, mon chat. Et en plus, t'es couché sur l'ordi. Hein? Tu prends toute la place. Allez, viens, mon bébé. Attention, pépère. Attention. Voilà. Gros pépère, il prend toute la place, mon gros chat. Non, tu prends toute la place, mon gros. Tu vas tomber. Allez, pousse tes fesses. Oui, mon gros bébé. Allez, pousse tes fesses. Voilà. Non, maîtresse, ça fait pas peur. Maîtresse, ça fait pas pouille, bébé. Allez, pousse tes fesses. Allez. Non, mort pas. Maîtresse, pépère. Maîtresse, ça fait des papouilles, mon bébé. Allez, tu lâches, maîtresse. Allez. Non, tu lâches, maîtresse. Allez. Allez, tu lâches, maîtresse. Voilà, c'est bien. Oh, tu fâches. Oh, mon bébé, il est fâché. Hein, gros pépère, il est fâché. Oh, c'est pas grave, mais tu prends pas toute la place. Hein? Parce que monsieur, il prend toute la place, il vient me faire tomber mes haut-parleurs. Hein? Non, ça c'est à moi, ça touche pas. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hein? Une. Deux, trois, quatre. Ah, ça peut pas passer. Alors, je vais refaire mes quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Ça ne veut pas passer dans les autres mailles. Voilà. Une, deux, trois, quatre. Je regarde ce qu'il me reste de fil. Oui. On va dans les quatre autres mailles. Une, deux, trois, quatre. On passe dans les quatre mailles. Dans les quatre mailles. Dans la première et les quatre suivantes. 1, 2, 3, 4. On passe dans la première et les 4 suivantes. Là, je vais venir faire un petit nœud à ma pelote. Enfin, au bout de mon fil. Alors, il faut que je trouve l'embout. Bon, on va faire comme ça. Voilà, je vais garder. Je crois que j'en ai gardé une autre. Je vais le mettre là. Et on va prendre le fil dessus, si on trouve le bout. Hop. Voilà. Il fallait bien qu'on trouve le bout. Alors, moi, je fais en sorte de faire pour pouvoir cacher dans le... dans la maille, dans le... Voilà, hop, on fait notre tour ici, on fait notre tour là, j'ai pas égalisé, hop là, hop là, hop là, je fais un autre nœud. Voilà, comme ça, quand je vais tricoter mon fil, je vais prendre les deux brins pour les rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors là, on fait quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. On passe dans la première et les quatre suivantes. Une, deux, trois, quatre. Le nœud, il est où? Il est à l'autre bout. On passe dans
par la première et les quatre suivantes. 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'ai 3 mailles là? Il va falloir que je rajoute une maille là. J'ai oublié une maille. On va faire comme ça. Voilà. On passe dans la première et les quatre suivantes. J'ai oublié de tricoter une maille. Une. Deux. Trois. Quatre. On passe dans la première et les quatre suivantes. 1, 2, 3, 4. Je vais peut-être avoir. Non, j'arrive à la fin. On passe dans la première et les quatre suivantes. Alors, on arrive au nœud. 1, 2, 3, 4. On prend le fil. C'est ma notification comme quoi ma vidéo est finie. Voilà. Donc là, il faut que je fasse en sorte de tricoter les deux brins. Voilà. Donc là, je prends les deux brins. Si ça veut bien marcher. Alors. Une. Deux. Deux, 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 deux. 3, 4, on prend les deux brins, on vient passer dans la première et les quatre suivantes. Voilà, on tire sur le fil. 1, hop. Alors, il y a un endroit, ça va être un peu plus épais, mais bon. On prend le premier et les quatre suivantes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça, on ne voit pas le nœud qui dépasse. À part là, qu'il va falloir que je coupe un petit peu, mais bon. Voilà. Je vais couper après, on verra. 1. 2, 3, 4, dans la première et les 4 suivantes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme ça le nœud on ne le voit pas, là vous faites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On prend les deux boucles et on fait une maille en l'air pour terminer. Voilà. Vous voyez là où j'ai fait mon nœud, il y a juste un petit bout de fil qui dépasse là et là. Je vais les couper. Généralement. Voilà. Je vais couper ici un petit peu. Voilà. Et ni vu ni connu. Donc ici, on a fait la maille en l'air. Donc ici, on vient piquer dans la première. On va chercher le fil, on tire. On va dans la deuxième, on va chercher le fil, on tire. On va dans la troisième, on prend le fil, on tire. On va dans la quatrième, on va chercher le fil, on tire. Et encore, on continue. Ce qu'on vient de faire ici, il faut le faire tout le long. Faut aller jusqu'à la pointe d'ici, jusqu'à la dernière pointe ici. Voilà. Donc, je ne compte plus parce que vous savez comment faut faire. Je vais le faire une dernière fois, puis après, je ne compte plus. Alors, dans la première, on tire. Dans la deuxième, chercher le fil, on tire. On pique dans la troisième, on va chercher le fil, on tire. On pique dans la quatrième, on va chercher le fil et on tire. Et on continue. 1, 2, 3,
Ça veut pas venir. 3 et la quatrième, elle est là. On continue. Dans la première, dans la deuxième, on pique dans la deuxième, on va chercher le fil, on tire, on pique dans la troisième, on va chercher le fil. Alors, il faudrait peut-être prendre tous les bras là. Dans la troisième, on va chercher le fil, on tire, on pique dans la quatrième, on va chercher le fil et on tire. Voilà. Et on continue comme ça tout le long. Une, deux, trois, quatre. J'ai changé de laine ici, à ce niveau-là. Alors, une, deux, trois. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, comme ça le fil il est rentré dedans. Bon, il ressort un petit peu ici, mais bon, c'est pas grave. Une. Deux. Trois. Quatre. Et on continue. Une. Deux. 3, 4, deux, 3, 4. On va bien qu'on je me mets les filles.
fallait me faire un jeu de console. Voilà, je vais continuer celui-là, là, ce tour. Je vais tester mes jeux. Une.
que je regarde où j'ai changé de film là. À quel niveau j'ai changé de film, c'est le côté où c'est le plus épais. Voilà, c'est par là. Je marque un marqueur ici. C'est juste pour repérer combien je fais de hauteur par rapport au marqueur. Enfin, on verra bien. Et là, on est à la dernière maille, à la dernière. Alors, on fait 1, 2, 3, 4. Et on va dans la cinquième, on prend les deux brins, celui-là de devant et celui-là de derrière. On va chercher le fil et on tire. Et là, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 6, et après on revient de la gauche vers la droite. On prend le fil, on passe dans la première et les quatre dernières mailles, et les quatre mailles suivantes, pardon, quatre mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, on prend dans la première et les quatre mailles suivantes. Une, deux, trois, quatre. On va dans la première et les quatre mailles qui suivent. Une, deux, trois, quatre. On va dans la première et les quatre mailles suivantes. Une, deux, trois, quatre. On va dans la première et les quatre mailles suivantes. Et on continue comme ça jusqu'à ce bout-là. Ici. 1, 2, 3, 4. Dans la première et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.1, 2, 3, 4. Si ça fait sombre, c'est que mon chat s'est mis devant l'anneau lumineux.
Ça va assez vite hein, quand même. Hein. Quand la laine, elle croche pas dans le crochet croche pas dans les mailles. Je finis ce rang avec vous. Le bémar, c'est dans ma lumière, hein? Un gros pépère. S'il fait pas trop mauvais temps, demain j'irai, s'il fait beau, j'irai et qu'il fait pas trop froid, j'irai faire un petit tour vélo demain après-midi. J'irai jusqu'au parc et je reviendrai. Coucou Pépère! Mars, pousse-toi de là, allez, t'es chiant le bébé, hein, il est couché sur ma souris, là. Ouais, tu prends toute la place, bébé. La gros pépère qui se lève, regardez, hop, c'est un gros bébé, qui a ce gros bébé, ça.
Donc une maille en l'air. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors là, je vous le montre sur l'envers. Hein. Voilà. Je vais vous le montrer sur l'endroit. Voilà ce que ça donne. Bon là, il roule, mais il faudra bien que je passe à l'eau tiède. Et après que je le tente bien, qu'il prenne sa forme, vous voyez. Quand il sera bien tendu, il sera grand. Donc, sur ce, je vous laisse. On est à 43 minutes de vidéo. Pour une fois, j'ai fait moins d'une heure. Je vous laisse. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, de mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge comme vous voulez, je m'en fous. De mettre un petit cœur ou un petit partage. De mettre un petit commentaire sur tout ça, pour moi c'est important. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et de cliquer sur toutes pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et en attendant, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite. Bisous, bisous!